Ce soir on va à Bollard, on est prêt. Pendant tout le match on va chanter. Et dans le stade on entendra Roger crier quand un lanceur va marquer. Ça va être un match difficile et si on n'est pas sérieux, on va passer à la trappe. Parce qu'aujourd'hui, les équipes de CFA récupèrent des jeunes de centres de formation qui n'ont pas été gardés. C'est un championnat qui est difficile. J'ai connu avec le CFA de Lens, on vient voir les matchs ici, on voit que c'est des matchs compliqués. Donc sur un match, sur 90 minutes, voire 120, ils sont capables de nous poser des problèmes. Donc c'est une équipe qui joue aussi à 5 derrière au départ. Donc peu d'espace, ce sera à nous d'utiliser ces premiers ballons vers l'avant de la meilleure des façons qu'on peut le faire actuellement. On est là pour se qualifier, aller plus loin possible. Je ne suis pas du genre à laisser tomber quoi que ce soit, même si aujourd'hui on a un effectif un peu limité. Mais voilà, ça nous permet d'enchaîner les matchs tous les 3-4 jours. Quelque part, c'est pas plus mal, mais bien sûr qu'on la gagnera peut-être pas. Mais en tout cas, c'est des émotions différentes du championnat. C'est être présent sur 90 minutes, c'est tout donner. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage derrière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce parfum Coupe de France, il est intéressant pour les joueurs. Il y a un objectif au bout. Il y a le Stade de France, il y a une Coupe. Donc il faut rêver. Il faut se dire qu'on est aujourd'hui capable d'y arriver. Il y a des équipes par le passé, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Il y a les dernières, Quevilly, qui est équipe de nationale, qui est allée en finale. Il y a eu d'autres équipes qui ont posé des problèmes, qui sont allées au bout. Donc aujourd'hui, pourquoi pas nous? Il faudra être sérieux, rigoureux, appliqué, parce que c'est une équipe qui a éliminé Niort, qui a éliminé Carquefou, donc équipe de Ligue 2 et nationale. Donc c'est que c'est cohérent. En plus, sur un terrain qui va être, à mon avis, pas facile, donc ça va niveler les valeurs. Ça sera à nous d'être, je veux dire, de faire ce qu'on a fait contre les Lilas et Armentières, même si c'était des équipes de division honneur. Là, c'est une CFA, donc il y aura un peu plus de qualité. Mais c'est avoir cet esprit-là, c'est aller les chercher, leur mettre la pression, et pour récupérer des ballons et pas les laisser jouer. Donc faudra attaquer ce match à 100 à l'heure, tambour battant, pour ne pas les laisser respirer et prendre confiance dans ce match-là.